t'apparaîtra. Mais je pense que, bah oui, bah va falloir faire une pause. Alors que voilà, je lance l'enregistrement il y a 40 minutes. Un peu plus de 40 minutes. Ouais, j'ai contourné, mais en fait non. Parce que je vais pas utiliser le fly, je vais sauter. Je suis passé à côté. Je suis passé juste à côté. Hop. Voilà, c'est juste qu'on avait ça.
Bien, du coup. J'ai rien qui est réapparu. Du coup, il va peut-être falloir attendre que la recherche que j'ai lancée se termine, donc une bonne heure. Bah écoutez, moi je vais couper là et puis bon, moi j'ai 2-3 trucs à faire de toute façon, donc en dehors du jeu, je veux dire, mais. C'est bizarre parce que j'ai pas eu tout le stuff de Ravendreth. Il me manque le torse, je crois. En l'absence de la Crackpeur, de nouvelles forces ont pris le pouvoir. Renversez-les. Qu'est-ce que vous diriez de retourner faire un peu d'étincelle? Le Primat a remporté bien des batailles rangées. Faites honneur à sa mémoire en vous imposant en ce lieu sacré. Nous ne pouvons pas laisser les dévoreurs prendre pied en Maldraxxus. Ils anéantiraient tout. Détruisez-les! Nous ne pouvons pas laisser les dévoreurs prendre pied en Maldraxxus. Ils anéantiraient tout. Détruisez-les! La margrave Sindan a affaire à des alliés de Kel'Thuzad et nous demande de l'aide. Les champs se bug. Sans la fonderie des élus, il faut forger les armes tant bien que mal. La maison des rituels mène une cérémonie de renforcement. Nos ennemis portent bien des fardeaux et vous pouvez les... Cette rivalité entre Nemea et Pelodis dure depuis des siècles. Les désavoués s'en prennent. J'ai apporté quelques... Les négociants ont obtenu un stock d'étranges. Les négociants ont obtenu un stock d'étranges. J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide. J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide. J'ai du boulot pour vous. Oh, tais-toi. Votre dos, il est solide. Allez. Oula. Ok. J'ai eu un freeze. Bah, de toute façon, moi, je vais gérer 2-3 expéditions, de toute façon. Et si jamais j'ai une quête qui arrive... Ok, je vais lancer un slash reload, parce qu'apparemment... Il y a un truc qui va pas. Allô, oui? Allô, le jeu? Bon bah écoutez, ça a planté. Du coup, on se retrouve plus tard. Allez, à plus tard. La musique tourne toujours, mais le jeu ne répond plus. Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve. Donc pour moi, bien 2 semaines plus tard. Voilà, ça a un petit peu évolué. Oh non, ça fait pas 2 semaines, ça fait moins que ça. Donc voilà, donc j'ai débloqué beaucoup de renom.
Je crois qu'on s'est arrêté, j'étais Renault 19, si je dis pas de bêtises. Et je me suis rendu compte donc qu'en effet dans les Renault, en fait, il y avait les campagnes qui étaient débloquées. Enfin qui étaient débloquables via les Renault. Également quelques compagnons. Je sais plus où. Mais j'ai débloqué 2-3 compagnons. Voilà, là par exemple, je viens de débloquer un nouveau compagnon juste en sortant de BG. Voilà. Et ce sont des compagnons donc qu'on utilise dans la table de commandement. Voilà. C'est très bruyant, hein, Tombvis, mine de rien. On va y aller. Du coup, j'ai une nouvelle quête qui est apparue, tacticien de Tombvis. C'est une quête qui me demande de retourner au Riboss. Donc, je la lis, hein. Tombvis est aujourd'hui plus respecté que Denatrius n'aurait jamais osé l'espérer. Et cela grâce à vos efforts, MDG Normand. Zosork demande une nouvelle fois à vous voir à Ouriboss. Ne tardez pas. Nous avons tout intérêt à profiter des faveurs du cartel Zo. Alors attendez, faut que je vérifie juste un truc. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Excusez-moi. J'avais un doute si mon micro fonctionnait. Donc, bon. Nous avons tous intérêt à profiter des faveurs du cartel de Zo. La confiance d'un clan de négociants nés ne se gagne pas facilement. Vous savez, peut-être qu'ils ont d'autres récompenses à vous offrir. Allez voir Zoorg à l'enclave de Riboss. Voilà. Et on aura donc apparemment la possibilité de débloquer des niveaux d'objets. Enfin voilà. Autre chose, mon stuff a un petit peu évolué. Je suis à 4 sur 7 partout. Et en fait, le seul équipement JCJ qui me reste, c'est mon bâton. Du coup, si je peux, il me semble. Hein. Après, j'ai quasiment tout qui vient en fait des 20 tirs. J'ai gardé au niveau des 20 tirs le casque et la ceinture que je trouve cool. Sinon, pour le reste, j'ai gardé mon ancien équipement. Enfin, mon ancienne apparence d'équipement. Voilà, donc e-level 167. Eh ben, on retourne au Riboss alors. On va passer par... C'est ça, hein, on est d'accord. Ouais. Du coup, on va repasser rapidement par... Satra. J'ai toujours ma pierre de foyer là-bas, ça change pas. Même si en ce moment j'avoue que je suis plus souvent à Tombvis qu'à Satra. Ben je gère les campagnes en fait, hein. Je gère la table de commandement. Et mes BG, ben, je les attends à Tombvis en fait. Ah oui. Bah attendez, j'ai peut-être quitté la file pour... Ouais, de toute façon, il n'y a pas de joueur. Allez, hop. Il n'y a personne qui joue. Les BG, faut les faire le soir entre 20h et 22h. À peu près. C'est là qu'il y a le plus de joueurs. Après, les BG normales passent, hein. Ce sont les BG épiques, les BG à 40 joueurs, qui prennent énormément de temps. Ok. Pour vous, je n'ai que ce qu'il y a de mieux. Ok, très bien. Non, attendez, il y a autre chose là. Marchandises et services
Tout est en vente. Vous voulez regarder ma sélection ? Mon bâton. Ah oui, il y a mes bagues aussi qui sont... Du coup, je peux aller jusqu'au 7, hein, c'est ça ? Techniquement, là, c'est parce que je manque de... Je manque de puissance, mais... Bon, en soi, je peux monter niveau 3, là. Je gagne quoi ? 2 d'endurance. Ouais, un peu d'intelligence. Pourquoi j'ai 2 fois intelligence ? Bon, AT polyvalence, mais ça... Je préférerais des coups critiques. Ok, par contre pour le reste... Ah si, je peux. Ah, je peux aller jusqu'au niveau 7 pour le reste. Eh ben, let's go. Non ? Ah non, je peux pas. Non, non, j'allais dire c'est trop beau. Non, non, je... Mais du coup, les campagnes, là, j'aimerais les... Enfin, normalement, je les ai débloquées. J'ai suffisamment de renom. Mais... Le soutien est toujours apprécié. Mais j'ai pas la suite. Ah, alors là, je suis embêté. J'ai pas la suite. Je pensais que faire cette quête débloquerait le reste. Mais c'est pas le cas. Pourquoi ? Ah ah. C'est ennuyeux là. Attendez, parce que moi je pensais vraiment qu'on allait pouvoir continuer de tourner. Mais apparemment, c'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, nous ferons. Quel est votre dessein ? L'arbitre veille sur nous tous. Veuillez respecter la propreté. Du coup, j'hésite. Est-ce que du coup, on ne changerait pas de faction ? Vu que là, on est coincé chez les Ventir. Ces quêtes-là, c'est les quêtes JCJ. Hein. C'est pas des quêtes qui vont nous faire progresser. Observation du travail d'équipe. Ok, Jusqu'à notre prochaine fête. Ça, c'est du JCJ. Faudrait... C'est quoi le truc ? C'est tuer un personnage joueur. Dans le monde, ouais. Faudrait que je repasse en mode guerre pour tuer un joueur, quoi. Mais, la flemme. Rien n'est sans valeur. Ne l'oubliez pas. Et ça, c'est du combat d'arène. Mais ça, j'en fais jamais de l'arène. L'arène dans World of Warcraft, c'est compliqué. Parce que pour faire de l'arène, il vous faut un coéquipier, mais un coéquipier sur qui vous pouvez compter. Et quand on est tout seul, quand on joue tout seul, faire de l'arène, on va changer de partenaire en permanence C'est pas fiable, quoi. On se défonçait. Face à une équipe qui est soudée, qui ont l'habitude de combattre ensemble, quand on est en solo et qu'on change de partenaire en permanence, ça... On a aucune chance. On a quasiment aucune chance. Bon, bah, je suis coincé, du coup. C'est emmerdant, ça. Ah! J'ai une quête là.
Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait ça qui... Est-ce que ce serait ça qui me débloquerait la suite? Et un Maldraxxus? Le bassin à potions. Ah oui, ça c'était une quête secondaire qu'on n'avait pas faite. Parce que c'était compliqué. Bah let's go, on va essayer on va essayer donc le bastion, le fort élyséen. Pour aller au fort élyséen, il faut que je prenne le fly. Mais je verrai. Et apparemment, il faut que je prenne ce fly là. C'est le plus proche. Et le TP, je crois qu'il est là, c'est ça? Il y a un TP pour le fort élyséen. Ou c'est là? Bon, allez. En vrai, on va aller au repos du héros. Ça m'avait pas manqué. Les aspirants se préparent à éprouver leur précision. On dirait que trop de morts a besoin d'un peu d'exercice. Qu'est-ce que vous diriez de retourner? Le primat a remporté bien des batailles. Le xylocard est flétri. C'est chiant ce bug de. La mare grave où je peux prendre toutes les expéditions dans la tronche. À chaque fois je passe. Avec les nouvelles recrues. Il va falloir... À chaque fois que je passe ce fly, c'est un enfer. Cette rivalité entre Nemia et Pylodis. Les désavoués s'en prennent à notre colosse. Les désavoués s'en prennent à notre colosse. C'est bon? Ok, c'est bon. Alors je crois que c'est là-bas qu'il faut aller hein, pour pouvoir accéder au fort élyséen. Il y a un trésor là-bas. C'est la pagaille qui règne ici. Heureusement, il y a des régisseurs à disposition pour régler tout. C'est la pagaille qui règne. Oh, la ferme. Heureusement, il y a des régisseurs à disposition. Je vous jure. On va voir, on va faire les quelques quêtes, enfin donc les deux quêtes là qui sont affichées à la carte. Si c'est pas ça pour débloquer la suite, là franchement je comprends pas. Hein, parce que c'est.
Alors là, je vous avouerai. Après, on pourrait peut-être éventuellement changer de faction, hein. Je partirai chez Maldraxxus. Et on ferait la campagne de Maldraxxus. Faut que je parte. Du coup, si j'ai compris, si je vais par là, je rentre dans un... Ouais, c'est ça, je rentre dans un donjon ici. Avant de voler, il vous faut apprendre à tomber. Lancez-vous aux côtés de ces aspirants. Si je pars à droite, normalement, je devrais arriver là où je veux. Ah, bah ça a pas l'air d'être là parce que j'y suis jamais allé visiblement. Et l'ennemi là. Bon bah je me suis planté, apparemment c'est pas ici. Merde, comment j'y accède au Fort Elyséen ? Je me souviens plus. C'est con, je me souviens plus. Comment on y accède à l'origine, je... Je vais retourner là-bas, on va bien voir. Je vois que dalle. Lancez-vous aux côtés de ces aspirants. Apparemment, c'est ça. Ou alors, c'est le... C'est mort, hein. Ouais, c'est mort, on est d'accord, là. Bon bah allez, salut hein.
Ouais, et bien l'air con, là. Non, sérieusement, comment j'accède à cette merde? Je suppose qu'il n'y aura pas un ange là-bas pour... En regardant, ça va peut-être me revenir, hein, comment on revient ici. Parce qu'on y a été ici. Hein. Oui, on y a été ici au bout d'un moment. Il y a eu l'attaque et tout, je me souviens. Il y avait des griffons là, je me souviens qu'on est parti comme ça. Mais je me souviens plus comment on est arrivé là, à la base. On nous avait pas emmené à la base? Je sais plus. Mais là, il y avait pas un fly ici, justement? Il y a un mec en fly ici, normalement. Alors pourquoi j'ai pas accès au fly? Franchement, le bastion, c'est un des territoires qui me saoule le plus. Les PNJ m'énervent et le terrain est à chier. Bon, allez. C'est parti pour 5 minutes de mal de résu, alors. Hein. Aïe aïe aïe. 10 minutes. Ouais. Ah, un client potentiel. Bon. Bah, je suis coincé, quoi. Revenez vite. Ah, on est là, d'accord, ok, on est là. Je vois où on est. Oh non, mais je suis en mal de résu. Non, je suis en mal de résu, foutez-moi la paix. Non, mais oh. Pas un truc là où... Les aspirants se préparent à éprouver leur précision en vol. Vous pensez pouvoir les égaler? Je crois... Qu'est-ce que c'est que ça? Que... Ouais. Bon, c'est pas ça, hein. J'ai pas compris. Là, il y a un griffon, là.
C'est ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, le merdier. Bon, on y est. Alors, cette fameuse quête. Mais oui, c'est bien ce qu'il me semblait, il y a un fly là. Vous avez connu bien des épreuves. La voie est toute On peut tracée. partir, mais on peut pas revenir comme ça. Ah, cet La vie enfer. continue. Ah, cet enfer. Ouais, bah apparemment plus Par c'est une la quête à part. grâce de l'Archonte. Alors, les déjà-vus se font chaque jour plus menaçants et vos troupes sont Et nos troupes sont de moins en moins nombreuses. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de regarnir les rangs de nos transcendés. Notre généreuse archonte nous a alloué une partie des réserves d'anima pour permettre à nos meilleurs aspirants de connaître l'ascension et de pouvoir monter en première ligne. Cléa fait partie des heureux élus et doit se soumettre à son ultime épreuve. Pélagos n'étant pas encore prêt, j'ai demandé à ce que vous soyez son partenaire. C'est une tâche difficile qu'elle ne doit pas être entre hein? Qu'elle ne doit pas entreprendre au seul. Oui, elle s'apprête à escorter sa toute première âme. Rejoignez Cléa à la cour des exultations. Ok. Bon. Alors, du coup, on part où? Je vous souhaite la bienvenue. Mais on le saura donc, faut passer par là. Hein, pour après, il y avait peut-être là un autre griffon, mais je l'ai pas vu. Donc, hop. Donc c'est là. Hein, donc on va aller à la terrasse des collègues. Oh putain, vous êtes des Nous ne faiblirons pas. Faut que je reparte en griffon. Eh ben, on va voir où est-ce que se trouve l'autre griffon dans ce cas. Parce que je me souviens plus. Lui là, il m'amène où? D'accord. Hein? Mais va te faire mettre? Mais va te faire mettre? Oh, c'est pas vrai! J'ai vu où il était à l'arrivée et il est en plein milieu des ennemis. Est-ce que c'est pour ça que je peux pas... Bon. Qu'est-ce que t'as, toi? Y a pas un forgeron parmi vous, là? D'accord, par contre, ok, d'accord. Par contre, quand on... Je vois au nom, hein. Quand on choisit la faction Forge Elite, on est au Fort Elysia. Parce que ça, ce sont les... Attends, parce que... Attends, après... J'acquiesce à votre présence. Non, je peux pas, hein. J'ai beau cliquer, il veut pas. Allez et servez. Il est buggé, ce fly. C'est pas sympa. Où est-ce qu'il faut... Est-ce que ce fly n'est utilisable que quand on est membre des Forges Elite? Si on choisit la faction Forge Elite, quoi.
Bah ok, donc on le saura, faut passer par là si on veut retourner au Fort Elysia. J'ai pas un fly tout proche là? Non, j'ai rien. Bon, bah, on va se taper le trajet à pattes alors. Alors, justement, je vais en profiter, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai la monture donc de des Ventir. Voilà, donc on va se balader un petit peu avec. Ça va changer un petit peu. Elle est pas plus ouf que ça, hein, mais ouais, elle est cool. Par contre, être sur le dos, ça doit foutre une gerbe absolue, quoi. Quand tu vois mon personnage, comment il est ballotté. Faut que je fasse attention, j'ai encore une minute de mal de résu. Les désavoués cherchent à nous empêcher de transcender. Il faut trouver les autres. Je sers le bastion, mais aussi toute l'ombre terre. Bon, du coup, on va devoir faire des quêtes ici. Bon, on a une suite de quêtes à faire, donc on va les faire. Et peut-être que ça débloquera avant de tirer. Peut-être qu'on va retomber sur nos pattes après, j'en sais rien. Mais vu que de toute façon, les quêtes sont... Enfin, les quêtes comme ça qui ont une forme de bouclier, normalement, c'est des quêtes de... De campagne. Les désavoués ne reculent devant rien pour empêcher notre ascension. Ils se mobilisent pour nous barrer la route, pour compromettre nos chances de mener nos rituels à bien et pour ne rien arranger. Ils ont dérobé l'encens dont nous avons besoin pour commencer notre épreuve, terrasser-les et récupérer ce qui nous est. Ce qu'ils nous ont volé afin de nous permettre de poursuivre le voyage. Guidos d'encens. Les désavoués sont bien naïfs de croire qu'ils peuvent nous arrêter. Je vais au surplomb. Quel défi se dresse devant vous? Je suis entraîné et j'ai tout appris aux côtés de ces aspirants. Et les désavoués... les ont détournés du droit chemin et mènent désormais
les mènent désormais à leur perte. Ils trahissent la vol, éliminer le transcendé qui commande ses combattants. Tuer la stratège. D'accord, bon, allez. Hop. La voie est toute tracée. Pourquoi tant de Kyrians ont abandonné leur vocation comme ça? Et pourquoi entraîner des aspirants impressionnables sur la même voie? Viens, Aquilon. Inutile de ressasser tout ça. Allons aider les autres. Je dois m'approcher. L'ascension ne vous sauvera pas des mensonges de l'archonte. J'ai oublié. Enfin, ils ouvriront les yeux. Je me concentre d'abord sur les deux objectifs, les personnages spécifiques à tuer, et après je m'occuperai du farm. Ces aspirants ne cherchaient que la vérité. Les vôtres restent aveuglés par l'archonte. Ah. Non mais... Bon, bah apparemment la collecte c'est une autre quête, c'est autre chose. Bon, du coup, il faut qu'on récupère. Ah, il y a un trésor là. Ah ouais. Ok, il est là-bas. J'essaie de le récupérer. Pas le faire, je vais me faire attaquer. L'ascension ne vous sauvera pas de l'arc. J'ai prise. Et je dois réfléchir. Eh ben, ça valait le coup, le coffre il est buggé.
À la fin, ils ouvriront les yeux. Non, non, il est bugué le coffre. À la fin, ils ouvriront les yeux. À la fin, ils ouvriront les yeux. Ouais, un peu ambitieux là. C'est bon, j'ai mes 10. J'ai trouvé le parchemin rituel. Cette formule va nous ouvrir les portes. Beau travail, mon âme liée. Notre ascension est proche. Mon soutien vous est acquis. Ah, ils ont aussi le système d'âme liée, comme nous on a Ravendreth. Bon. Ouais, la cape à la con, là. Allez hop, ce sera vendu. Ça sera vendu. Vous incarnez les vents du changement. La pénurie ne s'atténue pas. Il faut trouver une solution. On obtient des emblèmes de renom ici. D'accord. Bon, bah, donc on est bien sur la bonne voie. Hein. On est bien. Donc je veux bien obtenir du renom ici au nom de Ravendreth quoi. Pessa a trouvé un parchemin. Un parchemin, l'écrivant, le rituel, nanana. Bon bref, on s'en fiche. Aider à Cléa à accomplir le rite de direction. Écoutez, honnêtement, ce territoire, on a compris le principe du bastion. Hein. On a compris un petit peu l'idéologie, tout ça. Donc. Venez-vous tous. L'heure est venue. Donc on va, commencer. On va éviter de lire les quêtes, on va juste suivre le fil, j'ai envie de dire. Ah d'accord, ok. En quoi puis-je vous servir ? Allez, c'est parti. Nous y voilà. Ok. Nous restons fidèles à nos principes. Nous apprenons et nous nous améliorons sans cesse dans le cadre de notre vocation. Nous croyons en l'ordre établi de l'Ombre-Terre et en notre rôle en son sein. Le doute n'a pas sa place dans le cœur des Kyrians. Nous demeurons forts dans l'adversité. Aucun obstacle, aucune tragédie ne saurait nous déstabiliser. Nous consacrons notre vie à servir les nôtres, mais aussi les âmes de tout l'univers qui font appel à nous. Les portes s'ouvrent. Ce sont les mêmes pour tous, mais chaque binôme se rendra dans un monde différent. Qu'est-ce qui vous inspire ? On va mettre fin à la pénurie. Bonne chance à vous tous. Il le faut. Puissent nos chemins converger vers le triomphe. Allons-y. L'heure est enfin venue de traverser le voile. Je suivrai Cléa du coup.
je clique dessus, faut que je clique dessus. Retour vers le vide. Du coup, on retombe sur Azeroth. Alors ça, c'était un truc que je reprochais un petit peu à ces extensions, mais que je reproche à quasiment toutes les extensions. Hein. BFA, il y avait ça aussi. Mais par exemple, c'était valable aussi pour Draenor. Pour Draenor et ABFA, notamment, c'est que... Bienvenue en Azeroth, Cléa. Pour votre dernière épreuve, vous allez escorter une âme originaire d'une bourgade des Carmines, nommée Comté du Lac. Azeroth, c'est de là que vous venez, n'est-ce pas? Oui. Quelle chance de vous avoir à mes côtés. Sauf que les Carmines... Ouais, on est au sud du Royaume de l'Est. Je connais un petit peu ici, hein, mais c'est pas un endroit sur lequel j'ai... Mais on a eu des missions ici à BFA. Si j'ai pas de bêtises, au bout d'un moment, on a eu une petite campagne sur BFA. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Comment ? Quand on a une nouvelle extension, il y a très peu de choses.